Hey Michel, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la suite Titles. Bon, cette fois je ne pourrai pas déraper parce que je pourrai pas en fait. Non, c'est parce qu'il y aura un nouvel SP mercredi, du coup je ne pourrai pas poster autre chose que ça. Et donc du coup je n'ai pas le choix et c'est beaucoup mieux parce que comme ça je savoure Titles, qui est un jeu que j'adore, je pense que vous avez compris. Et en plus, il y aura une pause dans Idols parce que j'aurai sûrement pas fini le let's play quand il y aura la suite de Fly. J'ai aussi... Attends... J'adore. Bref. Je finis par sortir du lit d'un geste rageur et me dirige à grands pas vers le salon. Claire est déjà là, son petit déjeuner installé sur la table basse. Ses yeux sont encore gonflés de sommeil et elle est affalée sur le canapé. En la voyant, je me sens coupable. En la voyant, un frisson de peur me traverse. En la voyant, la colère envers le journaliste brûle en moi. Ah, j'ai encore un truc. Je ne sais pas qui tu es, individu. J'ai clair, ok. Ce journaliste, si je le revois, je lui fais la tête au carré direct. À cause de lui, je vais inquiéter Claire, car on sait à quel point elle tient à son youyou. Ça m'agace tellement que j'ai presque envie de crier. Surtout que ma cousine a l'air de bonne humeur derrière son sourire endormi et que ça va gâcher sa journée. Lorsqu'elle m'entend arriver, Claire tourne le visage souriant vers moi. Bonjour, bonjour, Saïwa, tu as bien dormi? Ouais, comme un bébé, merci. J'ai préparé le petit-déj pour une fois que ce n'est pas l'inverse. Mes yeux tombent sur ma boîte de céréales préférée. Claire, de son côté, a attaqué un bouillon de riz accompagné d'un peu de poisson et de légumes. Un petit déjeuner salé, je ne peux pas. J'ai jamais fait ça, mais... Je sais pas. On va dire ça. J'ai déjà essayé le petit déjeuner salé et ça ne m'avait pas déplu. Mais ce matin, je me contenterai de céréales, comme je le faisais à Paris. Claire arrête sa cuillère à mi-chemin entre son bol et sa bouche et fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une petite mine. Tu es malade? Non, c'est pas vraiment ça, mais... Le portable de Claire se met soudain à tinter comme jamais, et je ferme les yeux. Ma cousine se saisit du téléphone en puissant le front davantage encore. Elle lâche ensuite une injure qui vient du cœur. Yoyo est en train de m'inonder de messages! J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Il devrait être en chemin pour rentrer du Japon si je me trompe pas. Si jamais, il faut que je prévienne maman et papa. Mais avant tout, il faut que je le rappelle, car dans la masse, je n'arrive pas à voir de quoi il me parle. Attends, je vais t'expliquer, je sais ce qui se passe. Claire me tourne vers moi un regard à la fois étonné et méfiant. Comment ça se fait? Pourquoi moi je suis pas au courant? Cherche le nom de Colin et Sir Star dans ton moteur de recherche. Claire s'exécute aussitôt et je vois son expression changer peu à peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu lui as raconté à ce type? Je pensais que tu n'avais rien dit de compromettant. Est-ce que tu m'avais affirmé? Je n'ai rien dit de compromettant pour de vrai. Je lui ai parlé de moi et de ce que je faisais en Corée du Sud. Ensuite, il m'a dit que si j'avais des infos, il pourrait me payer. J'ai dit non, bien sûr, et je suis rentrée à l'appart. Il a absolument tout inventé de A à Z. Jamais je n'aurais fait un truc pareil à Colin et aux garçons. Tu le sais, n'est-ce pas? Ma cousine ne me répond pas, mais elle serre le poing. Cette espèce de pourriture. Je te jure, si je le recroise, il n'aura pas assez du reste de sa vie pour pleurer. Claire bondit sur ses jambes et fait de grands gestes de bras. Comment est-ce qu'on va se sortir de là maintenant? Faut que j'appelle Youyou. Claire s'empare de son téléphone et appuie avec toujours autant de rage sur l'écran. Youyou, oui, je viens de voir, Saïwa m'a dit. Non, je sais pas exactement ce qui s'est passé, donc attends, je vais te la passer. Je suis déglutie, ok, j'ai peur. L'idée de parler avec Colin me glace le sang, car je peux déjà imaginer l'état avec lequel il doit être. Salut Colin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu as dit à la presse, Saïwa? Je pensais qu'on pouvait te faire confiance. Le ton de mon cousin aussi entre irrité et déçu. Mon cœur se serre. Mais grave, moi ça m'a fait grave mal. Mais je n'ai rien dit du tout, je t'assure. Et bien sûr que tu peux me faire confiance.
Ah bon? Parce que là, j'ai des... Doutes? J'ai quelques... Tu te rends compte de l'image que ça donne de moi? Mais j'ai rien dit! Putain! La famille, c'est super important en Corée du Sud. Et le respect aux parents, tout ça. Mais c'est le type qui a, qui a absolument tout inventé. Je suis en train de m'énerver moi-même, putain. Il est venu nous voir une première fois quand j'étais avec Claire. Mais elle l'a envoyé promener. Il est ensuite revenu quand j'étais toute seule. Je voulais simplement m'en débarrasser pour qu'il n'aille pas fouiner dans vos affaires, justement. Du coup, je lui ai simplement parlé de ma vie d'expatriée. J'arrive toujours pas à le dire. D'ailleurs, il n'avait pas l'air content du tout. À la fin, il m'a proposé de l'argent contre des infos. Et évidemment, j'ai refusé. Alors pourquoi est-ce qu'il a raconté, et je cite, que j'ai renié ma famille? Il a tout inventé, je te dis de A à Z. Je te promets, je n'aurais jamais raconté un truc pareil. Il avait l'air prêt à tout pour un scoop. Bah ouais, c'est la première. J'espère bien, oui. Je me mords la lèvre, prise de court par le ton maintenant particulièrement tranchant de Colin. Je suis un peu blessée, non, il n'y a pas de... Je le comprends en fait. Mais moi, ça m'a fait mal alors que je... Enfin, bref. Je voudrais qu'il accorde foi à mes paroles davantage qu'à celles d'un paparazzi. Après tout, justement, je suis de sa famille. On va prendre l'avion pour rentrer, repasse-moi Claire. Je m'exécute aussitôt et tends le téléphone à ma cousine. D'accord. Oui, on viendra vous retrouver à l'aéroport. À tout à l'heure. Elle repose son portable sur la table puis tourne les yeux vers moi. Je retiens mes larmes. Ah ouais, moi, même là, j'avais trop envie de pleurer. Claire passe un bras autour de mes épaules. Ne pleure pas, Saïwa. T'es pas responsable. Mais moi, j'ai envie de pleurer, ça me fait trop mal. Je crois que je suis trop sensible. Un peu quand même. Si seulement je l'avais envoyé promener plus sèchement comme toi. De toute façon, malheureusement, c'est fait et on ne pourra pas le changer. Colin veut qu'on aille les retrouver à l'aéroport. Il va sans doute y avoir une petite réunion de crise à l'agence. Ça ne me rassure pas du tout. Manager Ban doit être furieux. Il s'en prendra pas à toi, j'en suis certaine. Tu dis ça parce que tu penses qu'il est génial, mais à sa place. Tu n'es pas à sa place, Aiwa. Et à mon avis, il est plus occupé à vouloir régler le problème qu'à faire une chasse aux sorcières. En tant que manager, il doit en voir de toutes les couleurs. Et je suis sûre qu'il a les yeux en face des trous. J'en peux plus. Et puis surtout, j'ai peur de la réaction des autres parce que bah, Colin, j'ai déjà eu très peur. Mais Aniel, Ginny, quoi. Et une chaîne aussi. En fait, c'est mes trois profs, c'est les trois. Gia, il me déçoit parfois. Hein. Ils sont tous les trois très gentils. Ils comprendront que ce n'est pas de ta faute et seront embêtés pour toi. On peut parier, tu veux, mais j'ai déjà que ça se passera comme ça. Je me fais un petit clin d'œil. Essaye d'imaginer Aniel s'énerver. Et tu devrais comprendre facilement ce que je veux dire. Mais même Imchan et Ginny, ils sont trop mignons. Ou même Imchan, ou Ginny, sérieusement, tu les amuses. J'en ai marre, je suis tellement énervée et tout, et trop triste pour elle que j'arrive plus à parler. Tu les imagines se fâcher tout rouge, tous les trois? Malgré mon état de stress, je peux pas empêcher un léger sourire de trouver un chemin vers mes lèvres. En effet, je vois ce que tu veux dire. Et malgré les mots de Claire, je baisse la tête et pousse un long soupir là. Il ne faut pas trop traîner. Parce qu'il faut qu'on soit là à l'heure d'arrivée. À l'aéroport, surtout qu'il s'apprête à prendre l'avion. Il ne faut que 2 heures et demie si mes souvenirs sont bons pour faire Tokyo-Séoul, bah ça va, non? D'accord, je me dépêche d'aller prendre ma douche. Ok, on se retrouve dans le salon tout de suite et on y va. Je hoche la tête puis tourne les talons pour me diriger vers ma chambre. Mon cœur est gros et il pèse lourd dans ma poitrine, la pauvre. J'appréhende vraiment de me retrouver face à mon cousin. Après, me fait un peu de bien. Pour un temps, j'essaie de ne pas penser à l'échéance qui m'attend. Claire et moi marchons d'un bon pas vers le métro, évitant de justesse le gros crachat d'un coréen qui passe. Oh! Je me fais pas cette habitude, il m'a fallu un peu de temps. Ah, c'est normal là-bas? Je me fais pas cette habitude. Ça me semble dégoûtant de cracher comme ça au sol. En tant que française, je trouve ça ultra grossier. Et même de beaux mecs le font. Heureusement, je n'ai jamais vu Surstar ou 21st Dune et que j'étais un gros molard sur le trottoir. Par contre, ça m'a fait rire. Sinon, ça casserait le mythe.
J'espère que ce n'est pas juste car je ne les ai pas encore côtoyés dans une rue ou en toute décontraction. Les glaires qui ont dangereusement frôlé mes chaussures ont au moins réussi à faire dérailler mes pensées un instant. Très vite toutefois, alors que la station de métro se rapproche, je songe à nouveau à... À quoi? C'est quoi ça? À l'embrouille vidéo actuelle? En réalité, je n'arrive pas à m'imaginer ce qui va se passer une fois que nous serons à l'aéroport. Est-ce que Colin va refuser tout net que je fréquente le groupe à l'avenir? Est-ce que l'agence va me bannir de leur cercle? Je m'arrête d'un coup sur le pavé en songeant cela. Claire se tourne vers moi étonnée. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? J'ai tellement envie d'être ailleurs. Je suis en train d'imaginer le pire. Ma cousine pousse un petit sourire attendri et puis me prend dans ses bras au beau milieu de la rue. Allez, allez, ma petite Saywa, du courage! C'est sûrement pire que dans ta tête que ce ne sera en réalité. C'est sans doute l'anticipation qui parle à ma place. Justement, plus vite on en aura parlé, mieux ce sera. Allez, viens. Elle me lâche les épaules puis saisit ma main. Tout à coup, elle me tire brusquement vers elle. Attention! Ma tête bascule en arrière, je suis légèrement déséquilibrée et manque de me vautrer sur les pavés. Grâce à l'intervention rapide de ma cousine, j'ai toutefois évité de justesse de me faire renverser par un motard qui roulait sur le trottoir avec son scooter. Yes. Encore un truc de elle qui ne m'avait pas manqué à Paris. Tiens, parlons de ça. Tu vas trouver ma remarque étrange et complètement hors de propos, mais... Il y a un sacré paquet de câbles au-dessus des rues, en fait. Je n'avais jamais fait attention à ça avant. Ça donnerait des cauchemars à un électricien. Qui ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire et de hocher la tête. Il t'en a fallu du temps pour t'en rendre compte. Rien de tel qu'un motard chauffard pour te faire regarder le ciel. Mais oui, il y a au moins ça pour donner de l'électricité à un téléphone de tout le monde. Et le téléphone, c'est pas très bien, je crois. Et puis les connexions internet du feu de Dieu, et ça, on ne s'en plaint pas. Ces énormes amas de fils qui vont des poteaux aux murs et aux fenêtres des immeubles et des maisons. Ça fait comme une toile de câble. C'est drôle ce genre de petits détails, c'est pas ton avis? Les différences entre les pays se retrouvent parfois dans des choses qu'on n'imagine même pas. Nous arrivons enfin dans le métro, même un peu trop rapidement à mon goût. Il n'y a pas de monde et nous trouvons une petite place. Là encore, j'essaie de penser à ce qui m'attend et jette un regard autour de moi. Ça c'est fou aussi le nombre de pubs pour de la chirurgie esthétique. Oh. Même si je savais que la Corée du Sud était championne du monde dans ce domaine. À ce point. Ça fait toujours bizarre de lire des trucs qui t'invitent à te faire refaire. À te faire refaire comme si tu allais faire des courses à la supérette du coin. Et pourtant, comme tu dis, c'est super courant ici. Tu aimerais te refaire un truc, toi? Parfois, je me dis pourquoi pas si j'avais de l'argent. Moi, je veux rien faire du tout chez moi. Voilà. Je me dis que je suis née comme ça et voilà. Je me trouve ok en l'état. Ça aidera à garder ton portefeuille bien garni. Tout à fait. Mais bon, en Corée du Sud, c'est clair que c'est monnaie courante de passer sur le billard. Il faut pas s'étonner non plus si on prend des remarques sur le physique dans la rue ou dans les magasins ou ailleurs. Surtout dit quand on est comme ci ou pas assez comme ça, ou ta peau laisse à désirer, par exemple que tu devrais plus ou que tu devrais plus dormir pour ton teint et tes cernes. Ce n'est jamais dit avec méchanceté. Les gens font ça pour t'aider parce que l'apparence est importante en Corée du Sud. J'essaierai de m'en souvenir et de ne pas le prendre contre moi. Même si j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent quand même. Mais j'ai même pas chez. Je crois que des membres de Surstar ont fait de la chirurgie. J'ai pas envie de parler de Colin, mais la deuxième est logique en fait. Je veux dire, ouais, même si elle est Colin, j'ai pas envie de parler de. Enfin, la question est Colin, mais j'ai pas envie de parler de Colin là. Oh bah voilà. Nous avons un truc de culture, donc tant mieux. Ok. Change your nose. Oh, attends, c'est horrible. Claire hausse les épaules. C'est à toi la fan censée avoir épluché tous les sites et les magazines qui parlent d'eux dans leur moindre détail. Oui, mais là, je n'en sais rien. Je me rappelle pas avoir lu ça de source et les rumeurs, tu sais comment c'est. On a encore un bon exemple aujourd'hui. Va savoir, tu peux toujours leur poser la question.
Je crois que j'ai ma petite réunir en ce moment. Je ne suis pas en odeur de sainteté. Concentre-toi plutôt sur autre chose. Comme ça, ça t'évitera de penser à l'arrivée à l'aéroport. Tu as remarqué les panneaux d'affichage lumineux dans les stations? Je n'ai pas vraiment fait attention, j'ai la tête déjà à Gimpo. Pourquoi tu me demandes ça? Mais j'ai déjà un œil quand on sortira du wagon. On va voir si t'es une vraie fan ou pas. Intrigué, je lâche des yeux la pub pour la clinique esthétique qui s'étale en grand dans la voiture. À la plage, j'observe les fenêtres en me demandant ce que je devrais repérer. Quand je mets un pied à Gimpo, mon track qui était déjà monté en flèche diminue un bref absent. Dans le passage souterrain qui relie la station de métro au... J'ai vu Blackpink, du coup je suis un peu bugué parce que le métro au terminal de l'aéroport, je vois d'abord une affiche pour la tournée mondiale de Blackpink. Que je n'ai pas pu assister. Tu as vu ça, Iwa? Blackpink va à Paris. C'est pas très gentil de me rappeler ça. Cool, mais nous on est à Séoul. Attendez, ils vont pas faire un concert de Blackpink parce que moi je pleure. Hein. Ouais, parce que je parlais d'autres groupes, mais je savais pas s'ils avaient que inventé du coup. Bon bah, ils ont pas que inventé, ils ont pris aussi des vrais groupes, c'est cool. Quelques mètres plus loin, je repère sans difficulté un autre panneau d'affichage tout illuminé. Oh, le visage souriant de Woo Jae-kyung. Arrêtez de dire son nom, je sais pas le dire. C'est un en gros accompagné de messages colorés. Oh, c'est pour l'anniversaire de Woo Jae. C'est vrai que c'est aujourd'hui, on est le 26 octobre. Et c'est vrai que j'avais vu sur Instagram que les fans coréennes faisaient ça pour l'anniversaire de leur idole préféré. Acheter des espaces publicitaires et mettre des photos d'eux avec des petits messages gentils. On devrait peut-être envoyer un message à Woo Jae. Je sais pas. Je ne me vois pas lui envoyer un message. Il risque de me prendre pour une folle. Comme tu veux. Ce qui est triste, c'est qu'avec toute cette histoire, j'ai oublié qu'hier, j'ai réalisé un autre de mes rêves. Un concert de 21st June. Et j'ai même échangé quelques mots avec eux, tous les quatre. Merci du fond du cœur, Claire. Alors que maintenant, je te cause des soucis. Stop tout de suite, je t'ai déjà expliqué. Je soupire et me force à sourire. Oui, oui, je vais essayer. Mais au fur et à mesure que nous marchons vers le hall des arrivées, je sens mon stress grimper à nouveau vers son paroxysme. Enfin, je suis un peu encore contente d'avoir vu Blackpink. En vrai, ça me fait plaisir. Hein? Oh, bon sang! On n'est pas les seuls à être venus les cueillir. Ça va être une vraie galère de parvenir jusqu'à eux. En effet, nous avons précédé un bon paquet de paparazzi qui se tiennent prêts à mitrailler les garçons. Putain. Coup de pied dans les rotules. Un tel scandale, c'est du pain béni pour leur site ou magazine. Oh là là, mais quel bazar! Bon, on prend ma main et ne la lâche pas. Il ne faudrait pas qu'on se perde. Vous entendez qu'on va se perdre ou pas? Je m'exécute sans protester et me laisse entraîner par Claire. Leur avion a dû se poser il y a 15 minutes. Je vais appeler Colin pour voir où on peut les retrouver, ça va être la cohue. Claire dégaine son téléphone et a une brève conversation en français avec son frère, puis elle se tourne vers moi. Il faut qu'on se dirige un peu vers la sortie et nous embarquerons au passage. Sois prête parce que ça va secouer, je pense. Nous devons ensuite aller directement sur un plateau de TV pour un talk show. Super, c'était vraiment un bon moment. Ça tombe vraiment au pire moment? Ouais, c'est clair, mais on n'a pas le choix. Allez, viens. Nous marchons encore et au fur et à mesure, j'ai le sentiment de me liquéfier sur place. D'ailleurs, genre, je pense qu'il y aura les explications et je sais pas si... J'espère qu'il y aura les cadeaux qui nous vont faire. En fait, non, on va les garder parce que ça fait de la merde. Genre, Conan, je suis sûr qu'il serait capable. Je n'ai qu'une envie, quitter au plus vite l'aéroport et retrouver un peu de calme. Le salut finit par arriver quelques minutes plus tard. Ah, je les vois, c'est parti. Claire m'entraîne encore vers l'avant et s'approche du cortège des agents de sécurité qui entourent les garçons. Il faut fendre la foule qui se presse autour d'eux, ce que ma cousine tente à grands coups de coude dans les flancs des journalistes.
Colin aperçoit Claire et se penche vers Madame Durban qui indique à l'un des gardes du corps de nous escorter avec eux. C'est surréaliste alors que les flashs des appareils photos crépitent partout. Les micros sont aussi fourrés entre les agents de sécurité et des journalistes. Elle, Colin, un plein poumon, putain. Je pense que là, il a envie de nous faire. T'as foutu la merde, oui, c'est pas ma faute. Bizarre de sa casquette baissée, lunettes de soleil sur les yeux, masque sur la bouche, mon cousin ne réagit pas et se contente d'avancer. Je me fais bousculer, puis presser comme un citron, avant d'un coup dans le dos me fasse presque trébucher. Claire donne carrément un coup de pied dans le tibia d'un paparazzi. Qui la tire en arrière pour avoir un meilleur accès à Colin. Allez, chef. Après quelques minutes supplémentaires de chaos, nous trouvons enfin un calme relatif dans le van qui emmène les sortards jusqu'au plateau TV. Un silence pesant règne pendant un moment dans le véhicule. Même J.A. reste quoi. Yes. Aucun garçon n'a sa casquette, ni ses lunettes, ni son max, malgré les vitres teintées du véhicule. J'avoue que je ne sais pas très bien par quoi commencer pour amorcer une conversation. Claire vient heureusement à mon secours. Bon, par rapport à ce qui s'est passé. Yes. Ban intervient à son tour du siège à côté du chauffeur en levant la main pour l'interrompre. Je propose plutôt qu'on en discute une fois au studio dans les loges. D'accord. Mon calvaire continue à se prolonger en compagnie de ceux qui m'en veulent sans doute en plus. Franchement, j'ai envie de disparaître sur Terre, sur rouge. Je ronge mon frein et mets les nerfs en silence. J'ai envie de disparaître sur Terre. Devant le studio, la situation n'est guère plus plaisante qu'à l'aéroport. Claire a beau me dire que je ne suis pas responsable, je me dis que si j'avais fermé ma bouche, rien de cela serait arrivé. Les garçons sortent les premiers. Nous les suivons de près, toujours entourés de gardes du corps comme eux. J'ai malgré tout le loisir de voir une troupe d'adjoints en colère vent debout contre l'impiété supposée de Colin. Elle lui crie qu'il est un mauvais fils, un mauvais frère et qu'il devrait avoir honte de lui. Qu'il ne mérite pas son succès, fait sur le dos de sa pauvre famille bafouée. Elle réclame même à l'agence de le virer pour que justice soit rendue. Je te parie qu'il y a déjà des pétitions qui circulent sur le net à ce propos pour demander qu'il dégage d'OPE, Dr. Paimon. La voix de Claire m'arrive jusqu'à par-dessus le brouhaha. Arrête, je vais finir par faire un malaise. Pas devant le studio télé, ça rajouterait encore plus de drama. Quoi ? Allez, on est presque arrivé à la porte. Encore quelques pas et on pourra souffler. Tu ne caches pas mon effet de soulagement lorsque nous posons le pied dans le hall du bâtiment. Tout est soudain plus calme et les protestations du dehors sont étouffées par le double vitrage des fenêtres. Direction la loge, s'il vous plaît. Nous ne le faisons pas dire deux fois et nous suivons encore le groupe. Nous installons tous sur les fauteuils ou le canapé des loges. Les maquilleuses ne sont pas encore là et Manas Durban a pris des dispositions pour que l'on ne le dérange pas. Nous avons une vingtaine de minutes devant nous pour enfin mettre les choses à plat. Yes. Colin ne tergiverse pas, il entre directement dans le vif du sujet, les yeux brillants de tension. Vas-y, insulte-moi. Qu'est-ce que tu as raconté à ce mec, Saiwa? Un des calmes, s'il vous plaît. J'ai renié ma famille, c'est n'importe quoi. Mais tu m'as écouté au téléphone ou... Putain, j'en ai rien. Prout, ça me saoule. Et si c'était vrai, qu'est-ce que vous ferez là, Claire et toi? Et qu'est-ce que mes parents doivent penser en lisant ces... sornettes? Je sais pas ce que c'est. Mon cousin a l'air vraiment très énervé, mais aussi chagriné par cette histoire. Ouais, ouais. Mais Colin, comme je te l'ai dit au téléphone, je n'ai jamais parlé de ça. Je vais même pas parler de toi ou du groupe, juste de moi. Il a tout inventé ensuite pour son article débile. La voix serrée de Gia me coupe avant que je puisse me justifier davantage. Est-ce que j'avais envie d'en tuer deux? On s'en fiche de savoir ce qui a été dit ou pas. Le problème, c'est que l'image du groupe est ternie. Il faut qu'on fasse quelque chose et vite.
On peut pas leur laisser croire que notre leader est un arriviste sans foi aux lois ou aux valeurs. Le succès est donc la longévité d'un groupe dépendant intégralement du soutien du public. Je suis allée voir sur internet et il y a déjà quelques pétitions qui circulent et qui demandent la démission de Colin en tant que leader. Zuni a parlé d'une voix triste qui me fendit le cœur. J'étais sûre que ça allait arriver. Ok, je vais faire une liste de qui je vais tuer. Il y a Colin tout en haut et toi t'es juste derrière, à 2 cm, à 2 poils de cheveux. C'est pas possible, hein? Tu aurais pu faire plus attention, Saiwa. À moins que tu n'aies trouvé toi aussi que Colin n'était pas à sa place en tant que leader. Oui, allez, fais-moi encore plus culpabilité. Mais ce n'est pas moi, je vous dis! Je suis à mon tour en colère contre Jia. Je t'ai dit que ce n'est pas de ma faute, je n'ai absolument rien dit du tout. Voilà, j'en ai marre, j'ai plus envie de pleurer, je suis vraiment énervée là. Strictement rien. Il a tout inventé pour vendre son magazine. Alors si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à lui qu'il faut le faire. En plus, je n'ai que de l'admiration pour ce que mon cousin accomplit. Je serre les poings pour tenter de me calmer. Colin fait claquer sa langue contre son palais, puis quitte le fauteuil sur lequel il était assis. Ça y est, hein, sourire. Ah! Oh. Non, tu m'as quand même énervé. C'est bon, je te crois, ça y va. Dès que je te dis que je t'admire, ah bah là, ça va me serrer les pompes. Putain, je suis vraiment énervé. Si j'y pense avec la tête froide, je sais bien que tu n'aurais jamais fait ça. Ah bah bravo! Wouh! T'as fallu quelques heures pour croire en ta cousine! Bravo! Agnès qui était occupée à tourner une mèche de ses cheveux blonds autour de son index a terminé son tour. Agnès, fais-moi plaisir, s'il te plaît. J'en ai marre. Jenny aussi l'a fait. Je veux que tu... Bonjour. Mais qu'est-ce qu'on va faire pratiquement maintenant? On ne va pas les laisser dire ça, si ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, tu croyais pas en moi aussi. Je suis presque surprise lorsque la voix d'Imshan s'élève avec plus de confection que d'habitude. Il est trop mignon. Surtout que c'est tout à fait faux. Colin n'aurait jamais fait une chose pareille. Il tient énormément à sa famille. Il y a aussi des pétitions... Arrête, Julie. Il y a aussi des pétitions qui circulent sur Internet pour demander des excuses publiques de la part de Colin. Putain. Je n'ai pas d'excuses à donner puisque je suis coupable de rien. Il faut démentir de tout ce qui a été dit. La voix calme de manager... Ban se ressent la discussion vers la recherche de solutions. Ouais, si vous voulez, parce que là, vous me faites culpabiliser avec tous les trucs qui se passent. Ça ne convaincra peut-être pas tout le monde, mais Star Daily est connu pour son contenu douteux. Ça ne devrait pas surprendre qu'ils aillent jusqu'à inventer des choses de toutes pièces. Colin, tu profiteras du talk show pour dire que tout a été inventé. Si tu veux, tu peux aussi dire que ta sœur et ta cousine sont présentes à Séoul et que vous entendez à merveille. Des coups sur la porte nous enferront. Et les maquilleuses entrent pour s'occuper des garçons. La conversation retourne aussitôt. Il ne s'agira pas non plus d'alimenter des rumeurs de dissension d'un groupe. Claire Saiwa, vous pourrez rester dans la loge, mais il faut laisser les garçons se préparer. Bien sûr, on sera sages comme des images. Claire sourit, puis nous allons nous installer toutes les deux dans un coin. Ma cousine passe ensuite un bras par-dessus mes épaules pour me réconforter. Maquillage se fait dans une fausse ambiance de calme. Car je vois parfaitement les jambes nerveuses de Colin qui s'agitent. En vrai, j'ai envie de lui faire un câlin maintenant. Mais j'ai quand même envie de te tuer, il y a Jia au-dessus de toi maintenant. Inchan se tord les doigts tandis qu'une jeune femme lui étale du fond de teint sur le visage. Jinny joue machinalement avec son collier comme pour se calmer. Quant à Jia, il tapote avec l'énervement. Ouais, toi tu me saoules. Hein. Non mais comment il nous a agressés là J'étais énervée. Seul Agnès qui discute d'une voix gêneuse avec la maquilleuse semble de bonne humeur. Mais oui, moi Agnès. Ma manière d'Urban paraît très tendue et surveille les 5 garçons d'un œil acquis. Je me penche vers Claire et décide de passer au français pour chuchoter à voix basse. Je crois que ça va bien se passer. Je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. J'espère.
Ça ne va pas du tout que Colin soit stressé comme ça. T'as peur qu'ils finissent par craquer. C'est vrai qu'ils ont déjà assez de stress en tant qu'idole. Ouais, beaucoup trop. Mais c'est son rêve, alors je le respecte. Quelques instants plus tard, un membre du staff vient chercher les cinq garçons. Avant de partir, ils se réunissent en cercle, chacun un bras par-dessus l'épaule de son voisin. Tout ira bien. On va s'en tirer comme des chefs. Fighting! Je prends ce mot. Je crois que je l'ai déjà dit en plus dans une des vidéos, peut-être, je sais plus. Peut-être que ça m'a échappé, ou peut-être que je l'avais coupé au montage, et du coup, voilà. Je ne sais pas du tout. Les autres répètent le dernier mot en chœur avant de quitter la loge pour gagner le plateau. J'ai super chaud en plus, tellement ils m'ont énervé. Allons-y, nous aussi. On va faire quoi? Nous nous tiendrons au bord, hors des champs de caméra, ne vous inquiétez pas. Manager Ban ne nous laisse pas vraiment le choix. Et nous nous levons pour sortir à notre tour. Ok, donc c'est lui, c'est le mec du show. Je me dis, c'est qui lui? Un homme vêtu d'un blazer avec un imprimé léopard se tourne à notre arrivée. Je connais ce présentateur et j'appréhende un peu. Je ne le connais pas, je mette ça. Est-ce que c'est dépensé ou elle le dit à voix haute? Je sais pas. C'est Dongyum. Ouais, j'aurais dû lui dire que je le connaisse pas. Ces missions sont un peu des passages obligés pour les idoles qui ont du succès. Mais il ne les ménage pas et clairement, ne se prend pas pour n'importe quoi. D'ailleurs, il n'est même pas venu les accueillir et les saluer dans les loges. En clair, il ne va pas se gêner pour cuisiner les garçons en les retournant dans tous les sens sur le grid, d'où le nom d'épisode. Claire ébouriffe ses cheveux d'une main inquiète. Ils ont l'habitude de ce genre d'émission. Ce n'est pas alors d'ailleurs la première fois qu'ils s'y rendent. Ça s'était plus ou moins bien passé les fois précédentes. Il faudrait simplement éviter de se laisser prendre au piège, mais les garçons savent où ils mettent les pieds. Le ton assez calme de manager Ban n'apaise pas mes nerfs, surtout quand je perçois son regard malgré tout concerné. Il a les bras croisés sur la poitrine et le téléphone en main. Les garçons s'installent sur le divan décoré de coussins aux motifs léopard qui semblent plaire au présentateur. Puis ils lèvent la main en souriant afin de saluer le public. Aussitôt des cris enchantés de filles retentissent. Au moins celle-ci ne jette pas des tomates à Colin. Le présentateur se tourne lui aussi vers la caméra, tend le bras vers elle et se fend d'un petit sourire au coin plein de sous-entendus. Bienvenue à Idol Fact, l'émission où la vérité est mise à rude épreuve. Ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sir Star pour notre petit quart d'heure de mise à plat. Merci à vous d'être là malgré la situation de crise que vous semblez traverser. Remis le couteau dans la plaie, surtout qu'on est là et qu'on est en train de souffrir le martyr. Je vais pas péter un câble. Ou plutôt que vous, Colin, vous semblez traverser. Ah oui, d'accord, il attaque direct. Je me sens soudain horriblement tendue et la main de Claire qui se serre autour de la mienne n'est pas là pour me rassurer. Nous sommes très contents d'être là pour répondre à vos questions. Colin affiche son sourire d'idole éclatant. Parfait, alors ne perdons pas de temps et attaquons directement. Je sens que je vais aussi Votre famille était-elle si encombrante pour que vous ne tourniez de dos? Parfois, les gens sont prêts à tout pour la réussite, et tous les moyens sont bons, comme on dit. Ce type est un vrai connard. Merci de bousiller ma vidéo avec toutes vos insultes. Il ne laisse pas planer le doute. J'imagine que c'est son boulot, mais quand même. Colin sourit tout de même en portant le micro à ses lèvres. Rien qui n'a été raconté dans cet article n'est vrai. Je suis très proche de mes parents et de ma sœur, qui habite désormais à Séoul et que je vois régulièrement. Les liens familiaux sont très importants pour moi. Ma sœur est partie faire ses études en France et l'éloignement a été très difficile à supporter. Oh, c'est trop mignon. Je suis au contraire plus que ravie qu'elle soit rentrée chez nous. Moi, je suis une grosse merde.
Malgré la situation, je vois le visage de Claire s'illuminer à ces mots de son aîné. Mais oui, il est cute. Ma famille contribue à ma réussite et je ne leur tournerai jamais le dos. D'ailleurs, ma cousine est à présent en Corée du Sud également. Et ça me fait incroyablement plaisir de retrouver Virgil. Ah, merci Colin. Tu crois enfin en moi après toutes ces heures où tu as douté de ta cousine. Ça fait mal quand même. Vous insinuez donc que Stardaily raconte des mensonges. Pourtant, ils sont toujours à la pointe des inventions en ce qui concerne les idoles. Oui, bien sûr, prout. Ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui, leaders dans le domaine. Sans cela. Eh bien, je ne peux pas dire pour Stardaily dans son ensemble, mais en ce qui concerne ce journaliste, oui. Il a d'abord posé des questions à ma cousine qui n'a bien évidemment pas dit un seul mot. Il aura sans doute essayé de trouver une autre source qui, elle, n'aura pas hésité à mentir pour se faire mousser. Notre manager et notre agence prendront des mesures nécessaires. Ce genre de torchon est de toute façon prêt à lui faire... prêt à tout pour faire parler de lui. Tia, toujours aussi cash. Aïe, ça part d'une mauvaise direction. Dia, toujours aussi cash. Saiwa et Claire sont trop gentilles, elles n'auraient jamais fait ça. J'ai peur que ça part en couille. Claire s'occupe beaucoup de son frère et c'est trop mignon. Aniel fait des petits cœurs de ses doigts avant de sourire en grand. Aniel, épouse-moi! Ah ok, c'est bon, c'était pas si grave. Bah après, à mon avis, je pense qu'au bout d'un moment, faut dire, parce que là... J'espère que nos comètes me connaissent assez bien. Pour savoir que je n'aurais jamais agi ainsi. Colin se tourne vers l'auditoire. Si cet article en a déçu certaines, je suis vraiment désolée que ces mensonges vous aient fait de la peine. Vous faites aussi partie de ma famille et jamais je ne vous tournerai le dos. Pourtant, vous dites que vous n'avez pas vu votre sœur et votre cousine depuis des années. Tu écoutes quand il parle, il a dit. On était en France! J'ai pas été un câble. Pourquoi si vous les aimez tant que ça? Ma vie trépidante d'idol. Et elles aussi avaient leur vie en France. Et avec leurs études. Cette situation me rendrait très triste. Mais à présent, tout est derrière moi. Colin est un leader très prévenant et attentif. Nous sommes aussi une famille tous les cinq. Nous savons bien qu'il ne nous abandonnera jamais, c'est un ami en or. J'arrive plus à parler, je dis n'importe quoi. Donc si vous aviez une proposition de carrière solo, vous ne le feriez pas. C'est quoi ce... Il me saoule. Autour du présentateur s'est fait ironique, comme s'il prévenait qu'il ne comptait pas croire à la réponse. Non, pas du tout. Avec eux ou rien. Les fans sur le plateau applaudissent et crient le nom de Colin. Ah bah là! On dirait que ça suffit pour éteindre l'incendie, au moins pour le moment. C'est tout ce que je leur demandais. Et ils se sont très bien tirés. Le segment est bientôt fini, encore 5 minutes. Manager Ban a quand même l'air pressé que ça se termine. Merci d'être venu rétablir la vérité alors. Vous n'en voulez pas à la personne qui a raconté tout cela alors? Non! À votre place, je ne serais pas vraiment très heureux. Si je vous ai dit que notre agence allait prendre des dispositions. Mais c'est avant tout Stardaily qui est responsable de cette situation. Il ne faut pas toujours cracher sur la presse. Grâce à elle, on apprend aussi des vérités qui méritent d'être sues. En l'occurrence, ici, ce n'était qu'un tissu de mensonge. La voix tranchante et agacée de Dia intervient. Le présentateur ne se départ pas autant avec son petit air satisfait. Je ne peux pas vous laisser partir sans un petit défi. Vous verrez, ce n'est rien du tout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Woo Jae et de 21st June. Ouais, on sait. Un groupe que je n'ai pas besoin de présenter. Il laisse échapper le rire d'une personne sachant tout à fait ce qu'elle est en train de faire. Ça me fait peur. Eh bien, je me suis dit que pour célébrer l'occasion... Pourquoi ne pas faire une représentation conjointe entre les deux groupes lors de mon show du vendredi soir?
Ça serait explosif dans tous les sens du terme. Oh putain. Je vous invite tous le mois prochain. Oh mon dieu. Je sens manager Ban se rigide. Je suis d'un seul coup à côté de moi. Depuis les coulisses, Colin ne peut pas le voir. Et manager Ban ne peut donc pas lui donner d'instruction. Oh merde. Le regard de mon cousin trahit que son cerveau doit sans doute marcher à toute allure. En vrai, j'ai envie de dire que j'espère qu'il va accepter, parce que ça pourrait les rapprocher, parce que je suppose qu'il... Ouais, tu veux dire ça. S'il refuse, il alimentera l'animosité supposée entre les deux groupes ou fera croire que Surstar a peur de la comparaison. C'est finalement Jia qui tranche. On accepte. Jia a outrepassé son leader et les épaules de Colin se tordent immédiatement. Il en va... Qu'est-ce que ça fait ? T'as fait de la merde ! Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Nous acceptons évidemment avec grand plaisir et nous avons hâte de collaborer avec les membres talentueux de Twenty First June. Moi, désolé, je le dis en rigolant, mais je suis sûr lui, c'est en fait. C'est pour ça qu'il a fait ça. Parfait alors. Je suis sûr que le spectacle vaudra le détour. Je suis sûr qu'il espère plutôt que ça va mettre le feu aux poudres. Mais c'est fait et on ne peut plus revenir sur ce qui a été dit. 21st June et Surstar vont faire une performance ensemble. Cela ravit mon cœur fan de fan multi-fandom. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer si 21st June accepte également le défi. Peu de temps après, l'interview se termine enfin et les garçons saluent une dernière fois le public avant de retourner en loge. L'électricité est de retour. Et j'essaie de me faire toute petite pour ne pas jouer le rôle d'une étincelle. J'en étais sûre qu'ils allaient sourdre. S'engueuler. Je n'avais pas à parler à ma place, John A. On n'allait pas rester là 100 ans à attendre que tu décides. Et puis de toute façon, c'était la décision à prendre. Tu devrais le savoir en tant que leader. Ne vous étiez... J'en ai marre. Ça me saoule. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. On s'en est très bien sortis, je trouve. Je tiens juste à remettre les pendules à l'heure, parce que visiblement, certains oublient leur place. En quoi, tu aurais dit non, peut-être ? J'aurais dit oui, bien sûr, et c'était à moi de le faire, pas à toi. Mais c'est bon. C'est surtout le résultat qui compte à présent. Nous allons devoir préparer une performance avec les 21st Zoom. Je suis sûre que ce sera super. Évidemment qu'on sera très bien. Je parlais de vous deux, des deux groupes ensemble. Mais ça me gonfle de partager la chaîne avec eux. Oh, c'est bon! Ah. Eliane et Jia, une rivalité qui fait couler beaucoup d'encre. Pardon. De toute façon, on n'a pas le choix. Je suis d'accord avec ça et moi. Je sais qu'on fera un très beau show. Merci, j'aime bien quand tu... Aniel. On le fera en pensant à nos comètes pour leur offrir le plus beau spectacle possible. Ouais, ça sera génial, on va bien s'amuser. Mon cousin passe une main lasse dans ses mèches blondes. Eh bien, rien. Il y en a un. Il y en a au moins un que ça fait rire, c'est bien. Bah, trois en fait. Tu as fait ce qu'il fallait faire, Colin. J'appellerai leur manager dès que possible pour voir ce qu'on fera précisément. Pour le moment, je vous propose d'aller un peu vous détendre après ces quelques heures très éprouvantes. Si tout le monde est d'accord, allons finir la journée dans les bains. Oui ! Ça permettra de nous calmer les nerfs. Je pense que ça n'aurait guère d'intérêt de vous remettre au travail tout de suite après ce qui s'est passé. Un peu de détente me semble beaucoup plus productif en ce moment précis. Nous ne pourrons pas nous accompagner... Oh non ! Nous ne pourrons pas vous accompagner, malheureusement. On doit aller à la fac. Quoi ? J'aurais bien aimé pouvoir y retourner. Mais pas le choix, faut bien aller en cours. Claire, elle avait 20 ans comme si elle voulait solliciter un temps de parole. En parlant de bain, tiens, est-ce qu'on sait un peu plus sur la personne qui a pris le collier de Jenny ? Oh non ! À l'évocation de ce mauvais souvenir, le visage du danseur s'attriste. J'ai posé une main sur son épaule. Rien pour le moment. À croire que les flics sont vraiment incapables. S'il vous plaît, nous reparlons de ça un peu plus tard encore. Ouais, toujours... c'est maintenant ou jamais.
Nous n'avons pas encore interrogé la femme qui a permis la restitution du pendentif. Chaque chose en son temps. Est-ce qu'on va dire maintenant à Niel du coup ou pas? Parce que pour le moment, détente pour tout le monde. On va vous laisser. Une fois que tout le monde sera démaquillé, direction le van et les bains. Ce soir, on va peut-être aller dîner dans le restaurant de mon papa. Je suis certain que ça nous fera du bien aussi. Je suis d'accord. Et moi alors? Une chaîne pivote vers ma cousine et moi. Vous venez aussi tous les deux, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à retenir le grand sourire qui me mange tout à coup le visage. Oui, ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer l'adresse. Tu peux me donner ton identifiant Cacao Talk, c'est moi. Allez. Après Jia et Colin, me voici avec Kim Chan dans mes contacts. Oh. Je lui dis que mon identifiant et quelques secondes plus tard, l'adresse du restaurant de son père apparaît. Merci. Saïwa, il faut qu'on file là, on va être à la bourre. D'accord, j'arrive. À tout à l'heure. Je salue les garçons une dernière fois, puis les laisse manager Ben nous raccompagner jusqu'à la sortie du studio. Le soir venu, j'ai quitté le campus Cheveux au Vent. Je crois qu'un garçon du club voulait m'aborder, mais je n'ai pas le temps d'attendre si je souhaite être à l'heure. Après un trajet avec un métro bondé, j'arrive au restaurant ventre à terre. Je remarque tout de suite la tignasse blonde de ma cousine qui m'attend déjà devant l'entrée. Elle porte une petite robe en jean, très courte et à longues manches. Je me demande à un instant si j'aurais dû faire plus attention à ma tenue. Ah chic, te voilà! Les garçons sont déjà entrés pour ne pas stationner sur le trottoir à la vue de tout et surtout de tous. Heureusement, ils ont visiblement semé la presse en allant au bain, car je ne vois pas l'ombre d'une seule face de paparazzi. Je ne vais pas en être triste. J'espère que l'ambiance sera plus détendue. Pour ça, les bains ont déjà dû faire une bonne partie du travail. Sur ces bonnes paroles, ma cousine et moi, nous poussons la porte du restaurant. Nous devons commencer par enlever nos chaussures dans l'entrée et les ranger bien alignées près de celles de d'autres clients. Ah, je me retrouve donc pieds nus. Heureusement que j'ai mis de jolies chaussettes ce matin. Un serveur revient aussi nous accueillir avec le sourire. Claire entreprend de lui expliquer. Je préfère mettre des chaussettes au cas où il y en a un qui a la faute des bises des pieds, puisque entre les concombres et les cactus. Claire entreprend de lui expliquer que nous sommes avec le groupe de Im Chan Woon, le fils du propriétaire des lieux. Le jeune homme nous indique qu'il va vérifier avant de s'éclipser, nous laissant patienter. J'en profite pour faire le tour du restaurant des yeux. D'un côté se trouve un grand comptoir et pas mal de petites tables déjà presque toutes occupées. De l'autre, des tables pour barbecue avec leur grill et au centre et une hotte individuelle au-dessus. Il flotte dans toute la salle une délicieuse odeur de nourriture qui me met l'eau à la bouche. Mon ventre décide de crier famine jusqu'au moment où manager Ban surgit des profondeurs du restaurant. Bonsoir, venez avec moi. Nous nous sommes installés à une petite salle à l'arrière où nous sommes tranquilles. Nous suivons manager Ban sans que personne parmi les dîneurs ne nous jette le moindre regard. Nous passons une porte et nous nous retrouvons en effet dans une salle à part. L'ambiance y est plus intime et la déco est plus familiale, avec des tableaux en noir et blanc sur les murs et de grandes plantes en pot au sol. Les garçons sont tous installés autour de l'unique table sur laquelle des verres et des petites assiettes garnies se multiplient déjà. Ah vous voilà, ça a été? Oui, pas de journaliste à notre hausse, ne t'en fais pas. Elle en a tendrement les épaules de son frère dont les traits paraissent moins tirés que ce matin. Les idoles sont habillées de façon décontractée. Aniel aborde même un sweatshirt Comet et il défait ses tresses. Sans plus de façon, ma cousine se laisse tomber sur la chaise inoccupée après de son frère. C'était la place de manager Ban. D'ailleurs, j'ai rajouté une chaise de l'autre côté. En ce qui concerne, je m'installe au seul endroit rise. Au seul endroit qui reste libre, en face de Im Chan et à gauche de Jia. Quelle bonne idée! Je m'assieds avec un sourire de confort, j'en suis ravie. J'aurais préféré Aniel.
Si j'oublie pas la façon dont Gia s'est montrée véhément à mon égard ce matin, j'oublierai jamais. Comme si tout était de ma faute. Je me sens un peu plus comme un petit soulier. Le main vocaliste se tourne vers moi lorsque je prends place. Son regard est toujours vif, mais moins piquant que d'habitude. Saiwa, je te présente mes excuses pour tout à l'heure. Je me suis emporté contre toi de façon injuste dans mon énervement global. Alors qu'en soi, tu n'avais rien fait, et c'est uniquement vers ce connard de journaliste que j'aurais dû diriger mon ire. Il tend une main vers la mienne. Je peux ? Oui. Avec un petit sourire, Gia saisit mes doigts et les élève vers mon visage. Quoi ? Je retire mon souffle, je dis, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il me demande bien où il veut en venir. C'est quelque part en France que vous faisiez ça. Une fraction de seconde plus tard, ses lèvres effleurent le dos de ma main. Oh ! Oh ! C'est Gia, mais ça fait quand même plaisir. Oui, j'ai très vite changé d'avis, quoi. Un baisement, ça s'appelle, non ? Ouais ? Bravo ! J'aurais préféré que ce soit Aniel ou Ginny, mais c'est pas grave. Ce sont ces mots qui, cette fois, frôlent ma peau. J'espère que ce petit geste ne te prouvera ma contrition et aidera à ce que tu m'excuses. Je t'excusais déjà comme ça, il n'y avait pas besoin du baisement. Je pensais qu'il allait nous faire la bise. Ça, j'avais pas compris en fait. Ah, j'étais pas prête du tout. Il m'envoie juste un sourire comme un éclair avant de laisser aller ma main. C'est un siècle passé qu'on faisait ça en France, et plutôt dans la haute société. Ne casse pas mon petit effet où tu vas empêcher Saïwan de me pardonner. Le tour de Gia lorsqu'il réplique à Colin n'est pas agacé, seulement amusé. On dirait que l'ambiance est revenue à la camaraderie, qui ne sont plus à couteau tiré tous les deux, bah tant mieux. Le chanteur déblaye son front et ses mèches noires et reporte aussi de son attention sur moi. Pardonne-moi. Oui, bien sûr. Ça ferait qu'aggraver la solution aussi, non. Gia me sourit encore, presque du même sourire que lorsqu'il parle de Bayol, c'est pas Biol. Super, merci. Ya, yeah, il t'est mort un nouveau ami. Attends, tu viens de me prendre là. On va pouvoir manger. Une scène se tourne vers Claire, puis vers moi. Prenez ce que vous voulez sur la carte. C'est mon papa qui régale quand on est ici. Oh, c'est trop mignon. Et vous venez souvent? On vient prioritairement ici quand on veut manger dans un restaurant, oui. Entre ces murs, le groupe est à l'abri de toute indiscrétion, ce qui permet une relâche optimale. Ça fait du bien de laisser la pression pour retomber un peu, enfin. Et puis mon papa sait que... ce que chacun mange ou ne mange pas, donc ça évite aussi de mauvaises surprises. Mauvaises surprises, genre quoi? Genre du bouillon de porc dans les plats? C'est pas lui qui aime pas ça? Oui, c'était ça. Je crois que t'en avais parlé dans mes mains, oui? Ah oui, c'est un vrai fléau ici, ça. Déjà parce que ça envoie Taeyong à l'hôpital directement, mais en plus parce que ça prend les véganes par traîtrise. Il est vegan ? Tu commandes tranquillement un plat de légumes et tu finis par apprendre qu'au fond il y avait du porc ou de poisson. Le coréen moyen font du jus de porc ou du poisson. Partout dans ses plats, même dans le kimchi parfois. C'est vraiment la galère pour un vegan, je vous le dis. C'est lui ? Il est vegan du coup. Je t'incite quand même à l'être. Pas simple en effet. Une vraie galère, tu veux dire. Mais au moins chez papa, c'est trop mignon quand même. Pardonnez. Je ne risque pas de finir dans le coma. Oh non. Il dit ça comme ça, mais ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Aniel. Carrément dans le coma? Quand il avait évoqué la chose le mois passé, je n'avais pas percuté que c'était à ce point-là. Pas tout de suite, car d'abord j'ai tout qui enfle dans la gorge et dans la bouche et je ne peux plus respirer. Yes! Wouhou! C'était la joie il y a 2 secondes, maintenant on parle de coma!
Et puis je tombe dans les pommes, puisque justement je ne peux plus respirer. Et si ça dure trop longtemps, je peux remourir. Toujours parce que je peux plus respirer. Il est si détaché, ça me tue. Agnès le dit en souriant, mais je trouve les... Je vais ouvrir les grands yeux avec les... Ça lui cause un choc anaphylactique. Philactique, je sais pas. C'est toujours sur moi de quoi lui faire une piqûre d'adrénaline dans la cuisse si ça n'arrive pas. Pour que ça n'arrive pas. Yes. Ouh, c'est... On va parler d'autre chose, s'il vous plaît, parce que... Bien sûr, ce n'est pas l'idée idéale, d'autant qu'une visite à l'hôpital est obligatoire après. Donc on préfère éviter. J'imagine bien, oui. Vous avez choisi ce que vous vouliez manger ce soir? Je peux qu'on aura le choix. Je vais prendre un bulgogi de tofu. De tofu. On a mangé ça, non, la dernière fois? Demande à ton père une extra dose de champignons, si possible. Nchan hoche la tête tout en prenant note sur son smartphone. Moi, du popopiment, s'il te plaît. Tu nous recommandes quoi, Nchan? La spécialité de ton papa, c'est quoi? Tous les barbecues sont très bons, peu importe la viande. Ou le petit tube de viande. J'aime pas trop la viande, donc on va éviter. C'est ça la spécialité du restaurant. Ma maman est là aujourd'hui, car elle n'est pas de garde à l'hôpital. Donc elle peut aussi préparer un plat japonais, si vous voulez. Oh, je veux ça. Elle est infirmière, mais elle vient aider au restaurant quand elle a du temps. Et elle aime, elle aussi, beaucoup cuisiner. J'irai lui dire bonsoir tout à l'heure, d'ailleurs. Quand là, Imchan échange un regard qui paraît de connivence, que je ne comprends pas. Un bulgogi au choix pour moi. Alors, tant qu'il n'y a pas de chou, car j'ai horreur de ça. Elle lève aussitôt une main impérative. Et pas la peine de faire la blague de la fausse coréenne qui n'aime pas le kimchi. Je l'ai entendu dire au moins autant de fois que Yu-Yu a entendu parler de psycho, quoi que c'est dire. Ça me fait trop rire. Claire pose ensuite sa main en superposition de celle de son frère sur la table. Toi, tu prends quoi, Yu-Yu? Toujours la même chose, du poulet grillé avec des pommes de terre brisées. Moi, je voudrais manger un bulgogi de bœuf. Moi aussi. Et toi, Saïwa? Je vais prendre du tofu, un bulgogi normal pour rester à les valeurs sûres. Je vais mettre ça. C'est le meilleur. Comme Agnès. Je vais transmettre tout cela en cuisine. Je ramènerai des accompagnements et des boissons. Merci, Inchan. Inchan sourit à la ronde avant de quitter la salle, son portable à la main. Alors, les bains, c'était bien? Vous avez l'air tous plus cool que ce matin. Oui, ça nous a agréablement détendu. C'est très bien, ça. Reste détendu. Sur ces mots, Claire se lève pour se placer derrière la chaise de son frère. Elle pose ses mains en bas de sa nuque et commence à lui masser le haut du dos. Colin penche légèrement la tête vers l'avant pour lui laisser meilleur accès à ses muscles. On a aussi pris un peu de recul les heures passant, ce qui a aidé. Ce n'est pas la première affaire comme ça qu'on doit essuyer, et ce ne sera pas la dernière. C'est pour ça que ça ne servait à rien de t'énerver comme tu l'as fait tout à l'heure. Oh, Agnès nous défend, c'est mignon. Tout en parlant, Agnès pioche avec ses baguettes un bol contenant de petites galettes. Il a raison, John A. Ginny, c'est bon, arrêtez, ça me fait trop plaisir là. J'étais énervée, mais après je suis contente, mais après vous allez revenir énervée, c'est sûr. Ouais, je sais bien. J'ai dit que j'étais désolée, je lui redirai au besoin. Au cas où je suis là, hein. Ginny hoche la tête alors que Imchan revient, les mains encombrées de grands plateaux. Déjà, je me lève pour l'aider, je le regarde déposer un. Je sais pas, j'ai envie de l'aider, mais j'ai peur parce que. Je le regarde déposer sur le coin de la table. Il décharge d'abord les plateaux. Le plateau de petits bols d'accompagnement variés, puis de bouteilles vertes. Il y a un mouvement de recul alors qu'un plat apparaît à proximité de sa place. Pardon, ça me fait toujours rire, mais je savais pas que ça existait. Ça fait, on a vraiment qu'il est pas le concombre dans mon environnement immédiat. Oui, pardon. Imchan repousse le petit bol et Agnès tend le bras pour y pêcher un dé de concombre mariné dans ses baguettes. Tiens, au fait, Agnès, à propos de phobie, c'est vrai que tu as la phobie des serpents? Agnès, je t'aime aussi!
Le visuel interrompt son geste d'un air étonné et son concombre reste suspendu dans l'air. Hein? Non? Pas du tout? Ah. Je me suis fait une fausse idée. Super. Moi j'ai la phobie des méduses, c'est tout. Les serpents, je trouve ça plutôt classe, au contraire. Me parle plus. Ah, tiens. Je me rappelle avoir lu sur tous les fansites que Aniel était ophidophobe. J'ai oublié c'est le nom, mais bon, je dis juste j'ai peur des serpents. Je sais maintenant que ce qu'il en est pour de vrai, ce qui ne doit pas être le même cas pour les fans plus acharnés. Comme Myung, du coup on va lui dire. Je me sens privilégiée. Non, je rigole. J'ai envie de mettre ça quand même. Ah mais se préoccupe à nouveau seulement de ses concombres, mais Ginny lève la main. En tout cas, pour enfoncer le clou une dernière fois, je propose qu'on ne parle plus de cette histoire de journaliste ce soir. Sayora et Claire ne sont pas venus nous rejoindre pour entendre ressasser encore. Non mais on comptait pas faire ça. Donc si ça ne te fait rien, Colin, puisque c'est toi le principal concerné. Attends. Donc, si ça ne te fait rien, Colin, puisque c'est toi le parfumeur contenu, c'est gentil. Non, pas du tout, au contraire, je suis pour qu'on poursuive la phase relaxation. Et le chapitre, il est long, hein. Ça ne me dérange pas. Je voulais voir justement le dîner. Silencieuse comme rarement, appliquée à son massage des épaules de son frère, Claire acquiesce. De plus, c'est à peu près réglé normalement. Tout a été démenti officiellement et je pense que le public a bien compris que Kim Sik-choi avait inventé des choses. Oui, je pense aussi. Ouf! In-chan lève une bouteille. Qui veut du soju? C'est quoi? Pas de jeu d'alcool ce soir, les garçons. On rentre dormir après avoir mangé. Entre la tournée, le voyage et les émotions, je pense que vous avez, avant toute chose, besoin de vous reposer. Ouais, c'est sûr. Ne buvant pas d'alcool, ça m'arrange. Bientôt tout le monde est assis à table et un verre rempli devant lui. J'ai décliné le soju pour de l'eau et mon cousin a fait pareil. Tu ne bois pas d'alcool, Colin? Non, il boit pas d'alcool, c'est un garçon bien. Dit-elle en levant un verre de soju plein à ras-bord. Je te signale que ton raisonnement a fait de toi une fille pas bien. Ma cousine me tire la langue. C'est pas que je bois pas d'alcool en général, c'est que j'en ai pas envie aujourd'hui. J'ai des estomacs assez fragiles et il est vite perturbé pour les voyages en avion par exemple. Comme on est rentré de Tokyo ce matin, je préfère pas tenter le diable. Je saisis mes baguettes et picore moi aussi dans les bols de banchan, les accompagnements. Oh! Oh, c'est enfin... Ginny tend ses propres baguettes vers le plat dans lequel je m'apprête à saisir quelque chose. Attention, celui-ci est très épicé. Ce sont des lamelles de piment vert mariné dans du vinaigre. Bon. Tu te rappelles ce qu'on a mangé? Merci de m'avoir prévenu. Au revoir. T'es un peu loin de moi. Je prends sinon. À côté de moi, Jia ouvre la bouche. Jia, J'en peux plus. J'ai resté dans ses vies. Un idol de kebab avec qui je suis en train de manger au restaurant me demande de lui déposer quelque chose dans la bouche. Inspire, respire. Mais après tout ce qui m'est déjà arrivé depuis mon débarquement à Séoul, je devrais plus m'étonner. Je m'applique donc à faire mes baguettes. Je vais pas lâcher le piment. Mon dieu. Mais moi je l'aurais jamais fait. Je sais même pas si j'arriverai à leur parler en vrai. J'approche celui-ci des lèvres de Jia tout ouvert. C'est trop bizarre. Je laisse tomber le petit morceau de piment sur sur sa langue avant de retirer mes baguettes à toute vitesse. Jia croque les légumes à sourire aux lèvres. Merci. Ouais, merci de demander les sujets coulants. Tu tiens bien tes baguettes, en tout cas ça y voit. Je suis impressionnée. Je pouffe. J'avais quand même été dans des restaurants asiatiques à Paris, hein. J'avais aussi tenu les petites baguettes d'apprentissage pour enfants quand j'étais venue chez vous une fois à Strasbourg. Je n'ai donc pas eu des baguettes en main pour la première fois en arrivant à Séoul. Claire rit tout en mâchonnant
en mâchonnant ce qu'elle m'a indiqué d'être une rondelle de racines de lotus cuite à l'étouffée. Dans des restaurants ou en prenant un livret, car deux finesses n'avaient pas envie de mettre les fesses dehors. Colla la pousse au niveau du bras. Ferme mieux la bouche quand tu mastiques. Oh, monsieur fait des manières maintenant qu'il est une superstar. Claire le pousse à son tour, mais Colin l'ignore ostentatoirement pour revenir à moi. Encore une déchette, t'as dû remarquer que les baguettes étaient généralement en métal, à part quand tu prends à emporter. Elles sont plus lourdes que ce qu'on trouve en France, y compris dans les restos asiatiques coréens, mis à part bien sûr. Et il y a des gens qui sont perturbés en arrivant ici à cause du poids inhabituel sur leurs doigts. Donc mon appréciation de ta technique était tout à fait valide. Puis, je te faisais un gentil complément, donc la réponse aurait plutôt dû être merci. Eh bien merci alors. Ah, j'ai une image. Oh non, j'en ai loupé une. Oh, il est mignon. Je suis ravie de voir mon cousin adopter ce ton léger et plaisanté. Bon, en tout cas, si je suis que à la deuxième image de l'épisode, j'espère avoir beaucoup de kills. Je sais pas avec qui j'aurais pu avoir. Ne fût-ce. C'est quoi ça? Que pour Claire, qui paraît enchantée et sourit jusqu'aux oreilles en le taquinant et en voyant qu'il réplique. Je comprends tout à coup que ma cousine évoquait si peu son frère lorsqu'elle était à Paris. C'était aussi pour masquer ou faire taire l'inquiétude qu'elle représentait à son égard, qu'elle était loin de lui. Sur cette entrefaite, un serveur apporte des plats de viande et autres et allume les plaques chauffantes au centre de la table. Pardon, je bug un peu. Aussitôt, Imchan se lève pour s'occuper de la cuisson. À l'aide d'une pince en métal, il étend des morceaux de viande sur le grill. Pour les bulgogi, les autres continuent à discuter, Jia avec Ginny assis à sa droite, Anel avec Manager Ban face à lui, mes cousins ensemble. Ouais, j'ai pas d'amis. L'atmosphère est agréable. On ne dirait pas que tout le monde était sur les nerfs plus tôt dans la journée. Tant mieux que tout était mis à plat et résolu. Il ne faut guère de temps pour que nous soyons tous en train de déguster nos délicieux repas. Ouais, je bug aujourd'hui. En même temps, ça fait plus d'une heure que je filme, donc au bout d'un moment... Je jette régulièrement des regards vers Manager Ban et Aniel, qui ont commandé la même chose que moi. J'imite leur geste pour ne pas faire d'impair dans la façon de manger ce plat. Je dépose un peu de bœuf mêlé de champignons, de soja et d'oignons verts dans une feuille de laitue. Je rajoute un peu de riz, quelques condiments. Comme je vois Manager Ban faire avec facilité Aniel avec grâce, je roule ensuite mon petit beignet de laitue. C'est absolument délicieux. Oh, oh, une image des deux. Non. Ah, pourquoi vous êtes là-bas? Oh, il est trop mignon. Pardon. C'est ma fan. Pourquoi il est tout là-bas? C'est ma fan attitude. Même si je ne mange pas. Eh, si je le mange sans doute pas avec autant d'élégance que l'ange du groupe, l'atmosphère se détend plus encore alors que nous poursuivons le repas. Bientôt, je me retrouve à discuter et à plaisanter avec tous les membres de Surstar comme s'ils étaient mes amis. Mais je suis tes amis. Je n'ai plus l'impression d'être une fan face à cette idole, mais maintenant oui. Je n'ai pas non plus l'impression qu'ils me considèrent encore comme telle, alors qu'ils rient en toute décontraction devant moi. Nous ne sommes qu'un groupe de jeunes gens qui discutons de choses et d'autres en souriant et sourions tous ensemble à des bêtises, comme si je les connaissais depuis toujours et faisais partie de leur bande depuis longtemps. Cela me réchauffe le cœur. Manager Van aussi semble à son aise, tandis que ma cousine entretient de je ne sais quel sujet en remplissant leur verre de soju. Ah, encore? Ouh, j'en ai vu plein là maintenant. C'est deux du coup. Ah. Mais ça se voit qu'il y a un truc entre eux, de toute façon. Ils sont mignons aussi.
Colin, qui n'a pas beaucoup mangé, repose néanmoins ses baguettes à côté de son assiette creuse. Bon, ce n'est pas tout ça, mais passons aux choses sérieuses. Claire darde aussitôt sur lui un regard soupçonneux. Quelle chose sérieuse? On n'est pas rentré du Japon, les mains vides. Ah oui, c'est vrai! J'en avais parlé, j'en ai totalement oublié, vu qu'ils m'ont énervé. Comme on vous l'avait dit en partant. Ah oui, je vais chercher! Dites-moi, ça va pas s'arrêter là! Dites-moi que ça va pas s'arrêter là! Annel se lève d'un bon geste et gracieux, qui quitte la table pour revenir quelques secondes plus tard avec un sac. Il le pose à côté du grill dans un espace prestement libéré par Manager Ban. Colin prolonge une main dedans et en tire deux petits paquets emballés avec du joli papier et des motifs floraux. C'est pour vous, en espérant que ça vous amusera et que ça vous sera utile aussi. Il tend à sa sœur et l'autre à moi en travers de la table. Pour toi, Saiwa. Merci mon youyou d'amour. Merci beaucoup, Colin. Jia sourit par-dessus son verre. Vous savourerez d'autant plus les objets de Colin a dû se faire violence pour les payer à la caisse, quoi. Comment ça? Mon cousin plaque une main devant ses cheveux. Merci, Jonah. Sans prêter attention à l'embarras de Colin, Jia poursuit son histoire. Eh bien, il les avait repérés pour vous dans la boutique, mais il avait peur qu'un paparazzi ne surgisse et ne prenne des photos de lui en train de les acheter. Il trouvait que ça ne collait pas bien avec son image si on avait cru que c'était pour lui, sans doute. C'est adorable que tu les aies vaillamment achetés quand même pour nous faire plaisir, Guillaume. Claire étreint son frère avec force et ce dernier rit malgré son air embarrassé. Bref, j'espère que ça vous plaira. Je suis très curieuse de savoir ce que contient le paquet, mais puisque nous sommes encore réduits, je ne peux pas l'ouvrir maintenant. Il faudrait que j'attende de rentrer à l'appartement pour découvrir le cadeau. Et voilà ma part. Oui, regardez. Annel sort notre paquet du sac pour nous les distribuer. Tu aurais dû voir, Saiwa. C'était trop mignon tout ce qu'il y avait dans cette boutique. La prochaine fois, on ira ensemble. Pardon, je vais faire un peu. Si j'avais eu l'argent, j'aurais tout acheté. Alors, Tourjia et Zini nous offrent leurs souvenirs qu'ils ont ramenés de Tokyo. Tiens, Saiwa. Avec surprise, je regarde le main dancer en placer deux devant moi. Quoi deux? Il me sourit. Tu verras le premier, tu comprendras vite, je pense. Ah non, je veux savoir! Le second, quand je l'ai vu, je ne sais pas, ce sourire m'a fait penser. M'a fait chaud au cœur. Et m'a fait penser à toi, Saiwa. Hihi, Jenny, pense à nous! Pardon. Je ne sais pas quoi répondre, car je ne comprends évidemment pas à quoi il fait référence n'ayant pas vu les objets. Moi non plus, j'ai pas réussi à choisir pour toi, Saiwa. Alors j'ai pris les deux. Oh, ils sont trop mignons! Un peu timidement, Inchan dépose à son tour deux paquets emballés de rouge devant moi. L'un est long, mince et plat sur la table, et l'autre cylindrique et tout en hauteur. Je les remercie tous. Pas de quoi, Saiwa. Fais-en bon usage et on espère avoir bien choisi. Mais bien sûr, quoi qu'il en soit, le geste est déjà adorable. Oh, ça nous a fait plaisir de vous faire plaisir. Vous êtes si sympa avec nous aussi, et on aime bien vous avoir avec nous. Oh, Niel! Au moins, je ne dois pas avoir l'impression que je suis un boulet qui les colle contre leur gré. Je pense pas que Aniel, très spontané, aurait réfléchi et inventé à ce qu'il a dit si cela n'avait pas été vrai. Colin repose sa chaise. Je vais aller saluer Madame Woon avant qu'on parte. Je viens avec toi. Les deux jeunes hommes se lèvent et quittent la table. Manager Ban regarde l'heure sur son téléphone. Oui, nous allons plus trop tarder, en effet. Comme ça, vous pourrez prendre un peu de sommeil bien mérité. J'ai l'impression que cette si bonne soirée a filé comme l'éclair. Je suis enchantée de l'avoir vécu. Je sais pas. Je suis enchantée de l'avoir vécu. Mon grand sourire doit exprimer mon ressenti, car déjà à côté de moi, laisse échapper un petit rire. On remettra ça très vite. Ah, il a lu dans nos pensées. Prise en flagrant délit de joie, je rougis un peu. Michel ne tardait pas à nous rejoindre dans la salle et Manager Ban se lève. On y va dès que Colin est de retour. Il discute un peu avec mes parents, ils ne les avaient pas vus depuis un moment. On va l'attendre, pas de soucis.
Tout le monde se met néanmoins déjà debout, s'étire ou tire son smartphone de sa poche. Je m'approche de Daniel. Tu as l'air contente, ça y voit. C'est parce que tu as le ventre bien rempli ou sont les cadeaux? Ou ce sont les cadeaux? Les deux. Je ris à la façon dont il formule les choses. Les deux, mais aussi la sourire dans son ensemble. Avec tout ce qui s'est passé de ce matin depuis mon réveil, je n'imaginais pas que la journée finirait en beauté comme ça. Ah, avec nous, tout va toujours très vite. On n'a jamais le temps de s'ennuyer ou de s'habituer à quoi que ce soit. Car pouf, le lendemain, tout va déjà changer. Ça ne te donne jamais le tournis? Non, j'aime bien virevolter. Daniel accompagne son affirmation de plusieurs tours sur lui-même, les bras un peu levés. Même s'il porte un sweatshirt oversize et un simple jean, je suis subjugué par la vision. Oh. Il s'arrête toutefois net, dos tourné vers moi, et les yeux vers les photos en noir et blanc accrochées au mur. C'est très joli ce paysage, je me demande où ça se trouve. Une chance, peut-être? Il hoche la tête. Ça ressemble à quoi, Sokcho? Pas du tout à cette plage tropicale, bon. C'est à côté des montagnes. Mais il y a beaucoup de mer et d'eau quand même là-bas. Par contre, on ne peut pas accéder à tout le front de mer. Une partie est barrée par des clôtures de barbelés. C'est quoi? C'est tout près de la Corée du Nord, en fait. Tu savais que j'avais de la famille en Corée du Nord? Je crois qu'il l'avait dit. Du côté de ma mère. Oh! Daniel, coucou. Très tactile. Ça me choque même pas. J'arrive plus à parler. Parce que Sokcho était en Corée du Nord au départ. Et puis ils ont bougé la frontière au milieu du siècle dernier. Ouh! Ça a séparé des familles que je n'ai jamais... Et je n'ai jamais vu mes grands-parents maternels, par exemple, car ils sont de l'autre côté. Oh. Je ne peux normalement pas dire ça, l'agence m'a demandé de ne pas parler de la Corée du Nord. Oh! Mais c'est nous. Il va nous dire ça. Mais toi, je te fais confiance, Aïwa. Oui. Il m'a dit tout cela en souriant, du même sourire que d'habitude, et sa confiance me touche. Même si j'ai l'impression qu'il devrait faire plus attention, car aussi touché que je sois, il ne me connaît pas bien. Pourtant, il me révèle un secret dont OP Entertainment lui a interdit de parler. Je suis désolée si ma voix part en steak, mais là j'en peux plus. Ça fait une heure que je parle. Daniel me prend tout à coup la main. Que va-t-il faire aussi? Il me fait tourner avec lui dans ma pièce un tour complet sur moi-même. Mais ils vont me faire décéder, c'est pas possible. Peut-être un jour je pourrais t'emmener avec moi. Oh. 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 Ça se peut, depuis tout à l'heure, il y a tout le monde qui nous regarde en mode « Qu'est-ce qu'ils nous font, là ?» Avant que je n'aie le temps de lui demander où exactement il veut m'emmener, il lâche ma main. Il l'a posée du côté gauche de sa poitrine. Ça fait tout bizarre au cœur, parfois, quand tu es là. Oh, oh. C'est une déclaration d'amour. Alors Daniel, moi aussi je t'aime. Oh non, il est trop mignon. J'en veux... Aïe. Ah, ils me font décéder. Et je vous jure, je suis en transe. J'ai tellement chaud. Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, manager Urban tape dans ses mains. Alors, pas tout de suite. C'est que le début du jeu. Oh. Allez, c'est l'heure de partir. Je me tourne et remarque que Colin est en effet revenu près de nous. Je m'empresse de rattraper les cadeaux que m'ont offert les garçons. Oh, j'ai trop envie de les voir! Ma cousine fait de même et nous ramassons aussi nos sacs à main sous la table. Je m'étends sur ma couette, écrasée par les émotions de cette longue journée. Mon cœur bat vite après tout ce que j'ai vécu. Après cette si belle soirée au restaurant. Après avoir partagé un tel moment avec Sir Star. Les mots de Daniel me restent aussi. Et peut-être surtout en mémoire. Je tends la main vers le sac où les cadeaux que les garçons m'ont offert m'attendent bien sagement. Ça va s'arrêter. J'entreprends de les déballer, curieuse de voir qu'ils ont choisi pour moi tous les cinq. Ah non, c'est bon! Je souris aux baguettes de chien de Jia et à celles de chat de Yumchan. Oh, c'est mignon. Ces deux-là ne sont peut-être pas les plus proches, mais ils ont eu la même idée pour leur présent.
Les deux paires sont adorables et elles me serviront bien pour discuter mes repas à l'appartement. J'éclate de rire en déballant le petit sac de bento jaune agrémenté de têtes rigolotes et colorées d'animaux que m'a rapporté mon cousin. Oh, mignon! C'est vrai que cet objet trancherait avec son style à lui, et je ris à nouveau en l'imaginant à la caisse avec cela. Une bouffée de tendresse familiale m'envahit dans le temps à l'idée qu'il l'ait fait malgré tout. Oh, seulement avec Inchan et Claire, sinon on n'aime pas ça. La boîte à thé rouge et noire de Inchan, avec ses délicats motifs de fleurs et de lapins, me ravit. Oh, des lapins! Inchan, je t'aime. Il le sait déjà aussi, hein. J'aime trop de gens dans ce jeu. C'est un objet de décoration à part entière, et j'espère que ça ne m'a pas coûté trop cher. Je me mords la lèvre en débarrant les deux souvenirs de Ginny. des petites piques à apéritif en forme de trèfle pour me porter bonheur comme son pendentif lui porte bonheur aussi. Oh, c'est trop mignon! Le second cadeau est ensuite une boîte à onigiri marquée d'un emoji souriant. Qui visiblement lui fait penser à moi. Oh, ils sont trop mignons, j'ai pleuré. Est-ce que je souris comme ça? Ou est-ce que dans sa tête, quand il pense à moi, il me voit souriante? Un peu pervers, je dirige le dernier papier cadeau, celui de Daniel. L'ensemble de petits gobelets de toutes les couleurs avec des oreilles et des visages d'animaux me tire un nouveau sourire. Oh, ils sont trop mignons. Ça ressemble bien à Daniel d'avoir acheté ça. Je n'ai aucun mal à l'imaginer se pencher sur le rayon et les saisir avec les yeux brillants. Je repose le paquet sur mon lit et m'allonge à côté. Je ferme les yeux et inspire profondément entre mes lèvres qui ne cessent plus de s'incurver vers le haut. C'est comme moi actuellement, genre vraiment j'ai l'impression de vivre le truc, c'est trop bien. Quand je pense que tout ceci n'est que le début. Ah! Ok, ça va, quand même, ils auraient pu m'arrêter au dîner et tout. Mais, genre, je sais pas quoi penser de cet épisode. Autant au début, j'avais grave envie de tous les tuer. Enfin non, vous m'avez compris. Les trois que j'avais cités. Mais là... Je suis juste trop contente, du coup, je sais pas quoi vous dire en fait. En plus, ça fait super longtemps que je filme, j'aurais dû m'arrêter, mais bon. Je pouvais pas, là. Bref, j'espère que ça va pas faire trop long. Mais en plus, c'est bizarre parce que je me demande pourquoi ils ont fait un épisode aussi long et s'ils seront toujours aussi longs. Bon, après, moi ça me dérange pas, mais j'espère que ça fera juste pas trop long. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardaient en entier mes vidéos d'amour sucré qui pouvaient parfois durer 3 heures. Donc ça devrait aller. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je ne peux pas filmer de toute façon, il est actuellement 15h30. Ce serait me lancer dans un grand truc, du coup, j'ai pas très envie. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye.